Il est 8h34, notre invité ce matin, Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Ministre du Travail. Muriel Pénicaud, j'ai bien écouté les voeux du Président de la République. C'était il y a déjà une semaine. Que disait-il Je souhaite un compromis rapide et je le demande au Premier ministre et aux représentants syndicaux. Une semaine après, où est le compromis rapide D'abord, puisque vous avez parlé des voeux du président, mmh. je me permettrai de vous souhaiter une très bonne année. Bah, merci Je souhaite à Moi tous aussi. les Françaises et Français une très bonne année, mais en particulier oui. tous ceux qui travaillent ou qui travailleront demain ou qui sont à travail. Puisque c'est une année où moi je souhaite que on puisse aller vers plus d'emplois, qu'on continue à faire baisser le chômage comme on l'a fait depuis deux ans, qu'il y ait l'accès à l'apprentissage, à la formation, à l'insertion pour les plus vulnérables, à l'égalité homme-femme, enfin, que tout ça porte des fruits. Je voulais le dire juste cette occasion. Alors sur le, sur le compromis et sur les retraites, euh, je crois qu'on est dans un moment important, euh, qui est un moment où il faut euh, euh, avancer. Et euh, je veux dire, avancer rapidement pour qu'on puisse avoir cette réforme euh, complète à discuter à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. Euh, euh, à l'Assemblée nationale, ce... le 17 février. C'est le 17 février et en commission un peu mmh. avant, mmh. Euh, mais en séance plénière le 17 février. Donc il y a beaucoup d'éléments de la réforme qui maintenant sont mmh. très clairs. Je voudrais juste les rappeler parce que comme il y a. On parle de beaucoup de choses tout le temps. C'est vrai que par moments, moi, je, vois, je rencontre beaucoup de Français qui me disent ⁇ euh, Mais en, en vrai, on, là, on commence à être un peu perdu, on ne sait plus. ⁇ Je crois qu'il faut se redire aussi pourquoi on fait cette réforme. Euh, Aujourd'hui, on a un système bon, qui est très compliqué, ça tout le monde le sait, 42 régimes, mais qui n'est pas juste et qui laisse de côté beaucoup de gens. Les femmes qui ont euh, euh, arrêté quelques années pour élever leurs enfants ou les aînés, les agriculteurs, les artisans, les commerçants qui ont des toutes petites retraites. Euh, on a euh, tous ceux qui changent de statut dans leur vie, qui sont de plus en plus nombreux. Et franchement, c'est un casse-tête de réconcilier des régimes différents pour avoir une retraite complète. Donc on a beaucoup de choses à progresser pour avoir un système qui soit... Universelle, qui soit plus juste, qui soit toujours par répartition, parce que ça, c'est un choix français. Répartition, ça veut dire quoi C'est les actifs, ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent des retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Euh, la solidarité intergénération. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas ça, hein. c'est chacun pour, chacun pour soi et chacun se débrouille. Nous, on est quand même dans un système qui est euh, fortement solidaire, mais s'il est solidaire, il doit vraiment être solidaire avec tout le monde. Et euh, c'est logique que euh, c'est soit un système unique. Alors, au milieu de ça, il y a des sujets sur lesquels il faut trouver un compromis, il faut trouver une voie de passage pour qu'on euh, puisse avoir quelque chose qui. qui on n'aura jamais l'accord de tout le monde, mais euh, qui converge plus. Oui, C'est l'objet en soi, moment. Ben, Muriel Pénicaud, je vous ai laissé parler, euh, à juste raison, mais euh, je ne comprends pas très bien parce que vous, vous dites vous qu'on dites, est sur le chemin d'un compromis rapide. Mais moi, depuis un mois, j'ai rien vu évoluer. Rien. Vous allez m'expliquer en quoi ça a évolué Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est que les syndicats qui ne veulent pas de la réforme demandent toujours le retrait de la réforme. On est bien d'accord. Que constate-t-on Que la CFDT et les syndicats réformistes demandent toujours qu'on mette de côté le volet purement financier de cette réforme. Et que dites-vous de votre côté au gouvernement Eh bien, nous. Euh, ils installeront la réforme quoi qu'il arrive donc où est le compromis et non. où sont les avancées je n'ai rien vu venir alors, ça fait combien de temps alors, que ce, de, ce projet soudain... a été présenté où est le sujet du compromis oui euh, je, je pense que euh, les syndicats principalement qui représentent les certains régimes spéciaux mmh. qui euh, ne veulent pas de la réforme, bon. ils vont pas changer d'avis. La... On est, on est d'accord. Euh, pas de compromis que avec eux. Il que le a pas système de compromis est bon, possible avec non, eux. Mais ceux Oublions qui considèrent les. que le système qui est injuste, inégalitaire et pas universel eh bien, eh bien ils ben, continuent oui, pas lui, à dire. Mais où est le compromis mais avec eux Pour les syndicats réformistes, mm -hmm. euh, qui eux euh, sont pour le système universel à point parce qu'il est plus oui. juste, plus égalitaire. Euh, donc euh, mmh. la condition évidemment d'en définir les modalités euh, et ça c'est tout à fait normal euh, je pense que le sujet ce qui est en train d'évoluer c'est le sujet qui concerne le volet financier. Euh, ce n'est pas une réforme qu'on fait pour faire des économies. Pilot, elle frappe à 64 ans. Oui, non, je, oui mais le sujet c'est qu'il faut que le système soit durablement équilibré financier. pourquoi? parce que sinon c'est nos enfants et nos petits enfants qui vont se payer euh, la dette de nos retraites, mais aussi de retraites mais des retraites des suivants. Je, crois, je connais très bien donc, votre position. Donc, Muriel Il faut une Pénico. solution. Le gouvernement, le Premier ministre, avait mis sur la table, euh, avait annoncé au mois de décembre une solution pour ce sujet pour que ça soit durablement euh, équilibré, qui est l'âge pivot. C'est quoi l'âge pivot C'est l'idée que, euh, comme on vit plus longtemps et heureusement. Un peu mieux en bonne santé, le but c'est de vivre en très bonne santé, en tout cas on vit plus longtemps. Oui. Et euh, eh ben il faut travailler plus, sauf bien sûr ceux, on y reviendra, qui ont des carrières, euh, oui, je, vais et des y pénibles, je vais évidemment y sauf cela, ou des carrières très longues. Mais euh, ça c'est la solution qu'a proposée le gouvernement. Manifestement, les syndicats réformistes ne sont pas en accord avec cette solution. Euh, ils considèrent qu'il y en a d'autres. Donc euh, Laurent Berger a proposé dimanche oui. qu'il y ait une conférence de financement, qui dit bien la conférence de financement, c'est bien. On va trouver ensemble des solutions pour que le financement permette que le système soit durable. Parce que moi, je rencontre tous les jours des jeunes. Très Eux, bien. ils croient qu'ils n'auront mais... pas de retraite. Mais... Notre devoir, c'est que le système il marche bien. demain et après-demain. Donc ça, c'est déjà ça a bougé. Non, mais, ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas traiter le sujet financier. Maintenant, on dit ensemble, il faut le traiter. Et euh, ce que propose euh, Laurent Berger, euh, et également euh, Laurent Lescure d'UNSA, enfin les syndicats ouais. réformistes, euh, c'est qu'on ait cette conférence. Le Premier ministre hier a dit qu'il était d'accord pour faire cette conférence de au financement. Euh, non, il faudrait que les résultats soient au printemps. Donc, il, faut, qui pourrait assez vite. il pourrait début débuter quand ce qu'ils vont discuter vendredi euh, ensemble oui. euh, C'est les modalités, le calendrier, euh, une conférence du financement. Et ce qu'il a dit, c'est que s'il si y avait des meilleures solutions, pour financer de façon durable le système de retraite que euh, l'âge pivot, eh bien, on les prendrait. Mais il faut trouver des solutions. Oui, mais, oui, mais ça, ça, ça c'est votre proposition. Je... Seulement, oui. les syndicats réformistes disent pas ça. Ils disent, ils disent, retirer l'âge pivot de la réforme, et à ce moment-là, nous ouvrirons de véritables discussions et nous parlerons de la conférence de financement. C'est ce qu'ils vous disent. Oui, alors c'est ce que dit Laurent Berger. Ce que je pense, que de toute façon. Le... — ben, Ou alors vous ne vous comprenez pas. Si — je... je... Le... oui. que... Que je... Expliquez... Moi, mon point de vue, c'est que, là... ce que je pense que ce que nous, on est prêts à faire, c'est qu'il peut y avoir des... des solutions à ce sujet de financement durable, soit alternatives soit complémentaire à l'âge pivot. Et ça, il faut qu ça que... Ça sera la de financement. Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à retirer l'âge pivot de la réforme des retraites Alors d'abord, ce n'est pas ma responsabilité. Oui, non, mais euh, non, mais, ne, mais le pas, gouvernement, je ne me défile mais pas. Mais je ne oui, suis pas mon genre. Non. Euh... non, je sais, c'est pour ça que je vous non, pose la question. Le... C'est l'objet de, de la discussion. Vendredi, l'objet de la discussion, c'est de dire comment on va définir l'ambition du financement durable. Ça ne va pas être le non. contenu. C'est un peu trop tôt mais pour donc, le contenu. Il n'est qu'à Il n'est pas question de retirer l'âge pivot de la réforme. Du projet de loi. Ah bah à la fin, dans le projet de loi, il y sera ou il ne sera pas en fonction des non, solutions non, attendez, alternatives. attendez, attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, il est. Question, qu vous, vous que... la question est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous retirez euh, ou pas l'âge pivot du projet de loi Eh bien. Euh, oui ou euh, non. Il appartient au Premier ministre de décider oui si oui le fait ou pas. Oui ou non. Mais je pense que la question ne se pose pas oui si, ou bon, une... non. c'est Mais c'est Laurent Berger qui la pose, qui oui. vous la pose, ce oui, pas moi. Mais la question, elle n'est pas à 24 heures. Elle est est-ce que ce sera dans le projet de loi à la fin qui compte Pour les Français, c'est à la fin. C'est comment on finance. Dans tous les cas, ce sera dans le projet de loi qui est déjà au Conseil d'État et qui sera présenté aux députés oui. en commission dès le début de oui. février. Alors ça, il y a une technique législative. Je m'excuse de faire oui, un tout non, petit peu de droit. Il faut envoyer le texte à l'avance. Oui. À l'avance, c'est forcément non, celui pas. sur la position du gouvernement. On est d'accord. Et après, on peut le changer. Mais il y on aura l'âge pivot. Il y aura l'âge pivot pour l dans, le texte. dans le texte. Il y est. Euh, oui, il y est et, et il y sera. Il y sera lorsque vous le présenterez et bien le 24 et bien en nous, Conseil des nous ministres. Encore au Conseil des ministres. Donc, je ne préjuge pas du Conseil des ministres de 24. Mais vous souhaitez qu'il y soit ou pas ah, moi, je souhaite qu'une chose, et je pense qu'elle est possible, alors là, j'en suis persuadé, c'est qu'on trouve... Un moyen de ce système plus universel, plus juste, de le financer durablement oui. et, je, et en fait, avec plusieurs moi. solutions s'il le faut. Pardonnez-moi. Par toutes euh, les solutions Laurent nécessaires. Berger a toujours dit la même chose. Oui, 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 oui c'est clair. Vous dites toujours la même chose. Donc non, non, côtés. Expliquez-moi. Je m'excuse, Ça a bougé des deux, 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 deux côtés. Oui, enfin, ça, a ça bougeait comment pas, Ça bouge. pas sur pas fini. Pas sur l'âge pivot. Ça, si, ça bouge de deux façons. La première, c'est parce que Laurent Berger a proposé cette conférence de financement que nous avons acceptée. Ça, ça bouge. Mmh. Et deuxièmement, parce qu'on a dit que, et le Premier ministre l'a rappelé, qu'on pouvait euh, avoir des solutions alternatives, c'est-à-dire autres que l'HPVO ou complémentaires à l'HPVO, euh, du moment oui, qu'on une moyenne pas. financement durable. Mais on ne retire pas non, mais, attendez, vous, du projet. Euh, 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 si vous le retirez, il faut le remplacer par quelque chose. Votre texte, bah oui. il est bancal s'il y a D'accord. Il est possible euh, que ça soit retiré. Il est possible qu'à un moment donné, s'il y a des alternatives euh, qui marchent, euh, et sur lequel les partenaires sociaux Il est, est possible que vous puissiez bah après, a, retirer l'âge pivot. Il, y a du il est chemin. possible ou pas Il y a du chemin parce que les partenaires Pénicaud. sociaux nous le proposent oui, oui, est-ce qu'il est possible, est qu est possible Attendez, le projet de loi, il n'est même pas encore discuté non, mais au mais parlement. Vous Donc vous le projet pas de loi répondre. mais c'est toujours possible dans un projet de loi qui n'est même pas encore discuté et encore moins bon, voté. Muriel Penico, euh, combien va coûter cette réforme Alors, la réforme, il y a deux sujets. Il y a à long terme elle ne coûte pas puisque le principe qui a été pris, c'est que euh, finalement on va faire, euh, on va faire un, meilleur système de, un meilleur système de retraite, mais à coût constant. Le coût constant, c'est aujourd'hui c'est 330 milliards d'euros par an euh, et c'est euh, 13,8% de la richesse nationale. Oui. Donc la solidarité envers les aînés qui est un qui, quelque chose d'important oui, oui. euh, auquel on croit tous euh, je pense qu'elle s'exprime là donc on est dans l'idée d'ailleurs personne demande de multiplier ça euh, complètement oui. euh, ensuite euh, il y a le coût immédiat c'est le coût des grèves qui est, pas, euh, oui, oui. Euh, qui est quand même euh, je dirais il y a le coût vous financier pour euh, la SNCF la RTP les artisans les commerçants ça a coûté combien, bah, avez... on sait on, la, la RTP on n'a pas encore le chiffre la SNCF a déjà fait une première millions. estimation de 600 millions mmh. euh, mais c'est le coût aussi pour les artisans les commerçants les petites entreprises il y en a, il y en a on les aide avec le oui. Avec les Pénicaud. Et puis il y a le coût pour chacun, parce que, ouais. vous savez, ceux, je voudrais le dire quand même, ceux sur ce qui pèsent le plus les grèves qui continuent, c'est pas les gens qui habitent en centre-ville de Paris. C'est la femme de ménage, l'aide-soignante, qui habite loin en banlieue, qui a deux heures de train le matin, deux heures le soir et qui galère depuis six semaines. Donc il y a un coût humain aussi je dirais. Mmh. Euh, et puis après, il y aura les coûts de transition. Et ça, c'est normal qu'il y ait des coûts de transition. Coûts de transition. Et ça, c'est euh, normal. Bah, des milliards. Même, hein, les coûts de transition. Oui, mais enfin. Hein. Est-ce qu'on veut un système qui marche derrière, euh, mmh. qui est juste Plusieurs milliards. Coûts de transition. Plusieurs bah, oui. milliards. Parce que quand même, oui. il y a des dérogations au futur système. Et on a... commencent à s'accumuler les dérogations, les mais, unes derrière les autres. Mais si, y avait, autres. si vous n'y avait pas de coûts de transition, ça voudrait dire qu'on dira à tout le monde :« Allez, on tourne les clés et demain matin, le système a changé pour tout le monde, sans tenir compte du passé. » Tout le monde dirait c'est injuste et c'est ouais. ils auraient raison. Donc, oui, il y a un coût de transition, mais il faut l'assumer. Bon, euh, je voudrais parler de pénibilité. Mm. Il y a des discussions autour de la pénibilité. Euh, alors, euh, quelles quelle propositions faites-vous Nouvelle proposition sur alors, la pénibilité hum, Hier, rue de Grenelle, au ministère du Travail, le Premier ministre est venu rencontrer les partenaires sociaux. Et avec euh, Laurent Pietrashevski, on va euh, mener, et je vais mener euh, des discussions avec les partenaires sociaux sur deux sujets l'emploi des seniors et la pénibilité. La pénibilité, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a des métiers. Euh, qui, euh, qui usent plus que d'autres, qui sont pénibles, qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Il faut en tenir compte. On a déjà dans le secteur privé un système de prise en compte de la pénibilité. Oui. On sait. que vous avez supprimé les... quatre critères. Alors, on les a pas supprimés, mais on les calcule autrement. Oui. Je, je veux dire, ce, ce il y a des choses faciles à mesurer, mmh. euh, qui sont, euh, euh, par exemple, euh, les chaleurs euh, ou le froid extrême. Euh, la médecine du travail euh, mesure, sont... non Ah non. A, euh, vous savez. Euh, attendez, il y a des, des, des choses qu'on sont faciles à mesurer euh, les températures, le bruit, oui. euh, tout ce qui est objectif, mmh. c'est très facile à mesurer. Et ça, ça donne des points de pénibilité depuis euh, depuis trois ans. Et il euh, y a euh, aujourd'hui, il euh, y a plus d'un million de personnes qui ont des points de pénibilité qui leur permettront soit de partir à la retraite plus tôt soit de finir en temps partiel mais payer temps plein soit de se, se former. et puis il y a des critères qui sont très importants mais qui ne se mesurent pas facilement c'est par exemple euh, comment on porte des charges lourdes. je vais vous donner un exemple euh, quand vous êtes dans un entrepôt et que ça n'est pas automatisé euh, le poids des charges lourdes mais il faudrait euh, chronométrer heure Par heure, euh, mmh. ça, ça c'est pas possible, et donc c'est pour ça qu'on avait retiré d'un système de chronométrage absurde. Vous imaginez l'artisan, le commerçant oui. derrière non, mais, son non, maçon, et on l'a fait autrement. C'est qu'aujourd'hui, c'est un par examen médical. Bon. Si le examen médical reconnaît que vous avez euh, eu, euh, vous avez euh, votre corps a subi euh, des dommages à cause de, des charges lourdes, par exemple, à ce moment-là, vous partez deux ans plus tôt à la retraite. Mais on veut l'améliorer, et on s'est dit hier avec les partenaires sociaux que même sur ces sujets-là, on pouvait améliorer euh, la prise en compte par exemple des agents euh, mmh, chimiques toxiques mmh, euh, mmh. et puis aussi euh, pareil sur euh, les charges lourdes, les postures d'autres choses, on va l'améliorer notamment avec les branches, ça fait partie du sujet qu'on voit. Mais ce qu'il faut améliorer le plus, c'est la prévention. On n'est pas bon en prévention en France. Ça, c'est pour réparer, mais il faut prévenir et puis aussi, il faut permettre de se reconvertir. Euh, si vous êtes couvreur euh, à, à 58 ans, Monter sur les, les toits, ça devient vraiment, quand même, très compliqué. Donc, partir à 60 ans, changer. au lieu de 62 ans, c'est bien, mais on va aussi travailler avec les partenaires sociaux. C'est quelque chose qu'on a mis sur la table. Pouvoir un vrai congé, avoir un congé de reconversion payé, entièrement rémunéré, qui vous permet à mi-parcours, au bout de l'attente, de changer, de, attendre, changer et d'aller faire un autre métier euh, qui, est, qui est moins dangereux. Donc, il faut prévention. — Reconversion et puis euh, réparation. Et puis on va étendre au secteur public qui aujourd'hui n'a pas les pénibilités pour que ça soit universel. — Alors l'emploi des seniors, ça, j'y tiens beaucoup. Pourquoi mm. bah Parce qu'en France, on a du retard, notamment sur les plus de 60 ans. Alors il euh, y a une idée qui circule. Baisser le coût du travail pour l'embauche d'un senior, c'est une bonne idée ou pas ?— Alors euh, d'abord, vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. On a un paradoxe en France. Oui. oui. Euh, on dit « Bon, faut travailler plus longtemps ». Mais enfin, euh, quand on est senior, euh, vous n'êtes pas oui. toujours bienvenu dans les entreprises. Non. Euh, et, euh, qu et, et, alors qu'on cherche des compétences. Mmh. Alors mmh. qu'une entreprise sur deux a du mal à trouver des compétences. Alors, on a un double paradoxe en France, ce qui est même, moi, me, me choque. C'est qu'on dit aux jeunes, vous n'êtes pas assez expérimentés. Puis on dit euh, aux expérimentés, bah, vous, vous êtes trop expérimentés. Mmh. Donc, ça, il faut qu'on change aussi culturellement euh, dans la tête des employeurs. Ce regard sur les jeunes et sur les seniors. La réalité, c'est que le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de, de, de gens qui travaillent chez les seniors, il a, il a augmenté de, pour les 55-59 ans. Il est dans la moyenne européenne, c'est deux tiers des gens. Et puis après, il y a des gens qui ont des problèmes. Oui, faut, sauf qu'on ouais, a ouais. des petits contrats, des CDD, du temps partiel, bien souvent euh, en France. Alors sur les 55-59, ans, pas spécialement. Par contre, après 60 ans. C'est une catastrophe. Après 60 France. ans, Je il n'y en a plus qu'un sur trois qui arrive à travailler. Un, on est un, un des, des plus, plus mauvais en Europe. Et en plus, quand on travaille, c'est. Alors là, pour oui. le coup, du temps, euh, oui. temps partiel précaire. Donc on a un gros effort alors à faire. Alors que faire Baisser le coût du travail alors, pour l'embauche d'un plus de 60 ans, ça serait possible Ce qu'on a dit hier avec les partenaires sociaux, parce que c'est le deuxième sujet que nous allons piloter à Grenelle, après la pénibilité. C'est parce que c'est un sujet de travail euh, oui. qui concerne d'ailleurs pas que l'effet sur la retraite, mais qui concerne la vie au travail, euh, sur l'emploi des seniors. Il y a plusieurs sujets. Il, y a, il faut améliorer la retraite progressive. Elle est compliquée. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à, à pouvoir avoir une rémunération euh, qui soit bonne, mais y aller progressivement. Il faut valoriser euh, l'expérience aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont l'expérience qui pourraient dans une PME, dans une association, euh, dans le tutorat dont on va avoir beaucoup besoin pour le développement de l'apprentissage, qui pourrait avoir un rôle, il faut le reconnaître et il faut voir comment on met en place ça. Après, il y a le sujet du coût du travail. Moi, ce à quoi je ne suis pas favorable, c'est baisser les salaires. Je pense que ce n'est pas juste de baisser les salaires pour les seniors. Bon, on ne baisse des pays pas les font. salaires, mais Après, si on baisse le coût du travail. Ah ben, le, tout ça, ça on va le discuter avec les partenaires sociaux. Vous, vous seriez savez, moi, favorable je... à ça ah, non, mais... baisser le coût du travail pour l'embaucher. Est-ce que vous, non, c'est une idée qui Mon plaît. métier, c'est le dialogue social non, mais et économique. Je, je, je mais donne pas que les réponses c'est une idée que discuté. vous pourriez défendre eh bien, je pense que ce qu'on peut défendre, c'est d'abord, c'est moi, je veux le, on va les bâtir à partir des propositions des partenaires sociaux. Moi, je, je décide pas seul dans mon coin non, là. On va le bâtir trop. ensemble. Et une des choses qu'il faut regarder, c'est -ce la valeur une... sociale du travail. C'est une bonne idée. Ou pas eh bien, ça dépend parce que je pense que les, euh, le, le, au moment pas très où on cherche, quoi. non, mais pas forcément dans tous les cas. Oui. Si c'est pour aider mmh. euh, quelqu'un, un technicien d'une grande entreprise. Euh, qui euh, voudrait aller donner mmh. un coup de main à une association, une PME, mmh. euh, et qui, du coup, euh, bah, le coût du travail est trop fort pour la PME, mmh. on peut commencer à discuter. Je, je pense que l'argument du coût du travail, euh, dans certains cas, est justifié, dans certains cas, il n'est pas tout à bon. fait. J'ai Et je connais bien l'entreprise de l'intérieur. Je pense bon. que c'est plutôt un réflexe culturel. Alors, j'ai deux questions précises. J'entre sur le marché du travail à 18 ans. Combien de temps vais-je travailler eh bien, ça, ça, ça dépendra de beaucoup de choses dans votre vie professionnelle. Oui. Euh, ce qu'on certainement. En tout cas, on va garder le système de carrière longue. C'est quoi carrière longue Ça, c'est un système qui, avait, euh, mm. qui est issu du dialogue social. Euh, c'est que si vous avez travaillé euh, l'équivalent de deux ans avant l'âge de 20 ans, eh bien, vous partez plus tôt. Euh, Aujourd'hui, il y a 168 000 personnes par an qui partent à la retraite. Avant Et si je pars à 20 ans, plusieurs... je vais travailler 44 ans quoi, pour obtenir une retraite pleine. Alors on compte pas forcément comme ça, le nombre oui, de points oui, En oui. tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'irez pas au-delà, s'il un HP vous n'irez pas au-delà de l'HPV. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a bah, oui. des problèmes. Hein. Les femmes qui n'ont pas pu avoir des carrières complètes, elles sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. Donc, tout toute façon, il faut de, bon, résoudre ce problème. Les complémentaires Argi, Agir Carco et Préfond, hum qu'est-ce qu'elles deviennent dans ce système Parce Alors, que beaucoup d'auditeurs me posent la question. Alors, le système Agir Carco, euh, qui est un système de que, complémentaire, oui. il est euh, intégré en bonne partie dans le dispositif euh, universel. Euh, pour Préfond, ça fait partie des discussions que mènera Olivier sop Mais on est quand même dans l'idée que le système universel, il permet d'avoir à la fois... intégré le, donc. L'intégrer. Euh, après, est-ce que ça sera complètement qu'il y aura une partie qui est euh, complémentaire encore, ben ça fait partie ah des, bon des discussions. Mais a priori, c'est intégré parce que, vous savez, quand vous faites votre liquidation mm -hmm. de retraite, mm -hmm. je parle, tous les retraités me mm -hmm. comprennent, c'est compliqué hein, d'avoir beaucoup d'endroits mm -hmm. à s'adresser. C'est quand même mm -hmm. plus simple si votre système y prévoit tous les étages et que vous avez une seule, un seul interlocuteur. Deux questions encore pour terminer. Carlos Gon, que voulez-vous savoir — Vous allez suivre cette conférence de presse Vous euh, peut-être pas le temps, euh, mais... Non, moi, je serai à l'Assemblée ouais. nationale en bon, train de bon. débattre, mais de, de faire de le bilan de mon action en matière envie de, de savoir concernant Carlos Ghosn ?— Moi, ce qui m'importe le plus, je vais vous dire, en vrai, c'est l'avenir de l'alliance Renault-Nissan, parce que ça, c'est beaucoup d'emplois, c'est du développement économique. Il y a des personnages qui défraient la chronique. J'irai maintenant. C'est un, un citoyen injusticiable qui doit rendre compte. Et de rendre compte euh, j'en pour moi pour moi c'est plus de important bah tout à son la justice euh, c'est un citoyen français oui, mais oui. un citoyen, du point de vue du droit français, comme un autre, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc il doit il rendre les, compte. Il a les mêmes protections. Non, il, a mêmes, il, doit, il doit, comme tout citoyen, euh, dans les pays où il habite, où il réside, ou bien son pays d'origine, respecter le droit. Mais il a fui la justice. Ah ben c est, c est, mais ça, c'est à la justice japonaise de le régler. J'ai une dernière question. Vous avez vu ces arrêts maladie en ligne Oui. Qu'en pensez-vous Je pense qu'il y a toujours des gens pour profiter des gens et inventer des... Il si, si, faut interdire, chose... si bah, comment interdire euh, d'ailleurs bah, C'est évidemment un détournement de... Enfin, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, oui. c'est euh, euh, des médecins qui, mmh. qui vendent. Euh, c'est un système commercial pour vendre de, de, de l'arrêt ah ouais. maladie sans même dix voir minutes le médecin. 8 au pour téléphone, avoir un, enfin, un, voilà, un arrêt sans, sans voir le médecin. Et euh, oui. En gros, vous achetez votre... C'est un service commercial. Hein, c'est les mmh. gens qui font de l'argent oui. euh, sur le dos Mais des citoyens de la sécurité. sociale. — l'interdire. Bah si, une contre-visite. Vous, vous avez vite de voir si c'est bidon. Hein. Et aura, ouais. Ah, ben bah si oui, ce sera interdit. Mais il y a toujours des gens pour frauder, vous savez. Bien, merci Muriel Pénicaud d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54.